New Bordeaux. Une ville moderne aux valeurs traditionnelles du Sud. J'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller. Ce qu'il était capable de faire. Visiter le quartier français historique et goûter à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer un message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812, à la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. La mère de Lincoln l'a abandonné en 1947, quelques années après sa naissance. Sa mère, j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine. Son père, j'ai toujours cru qu'il était blanc. Peut-être même italien, même si ça importe peu. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966. Je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Un gentil garçon. Deux Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville a fermé l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne. Mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autre choix à l'époque. Des garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile d'en retrouver un. Quand il est revenu de la guerre, Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. J'arrive toujours pas à croire un truc pareil. Braquer la réserve avec du vrai pognon. Hey, c'est bon. C'est même pas notre fric. C'est en grande partie à Scaletta. Puis bon, c'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on doit brûler? Ouais, voilà. Chope les clés du camion, qu'on puisse foutre le camp d'ici. Mec. Va chercher ses clés. Lincoln, prends les clés. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Il a même tué son partenaire pour arranger le tout. Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le risque?
C'est comme ça, alors? Putain! Il faut qu'on se casse. T'as les clés, tu conduis. Allez, viens, on se tire. Roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics nous collent au cul. Mon vieux voulait qu'on laisse un des gardes en vie pour mettre les fédéraux sur une mauvaise piste. Il l'a dit toi-même. Pourquoi prendre le risque? Et si j'ai appris quelque chose au Vietnam, c'est que si un type compte te la faire à l'envers une fois, il risque de le faire une deuxième fois. Et de t'enculer au passage. Bon alors, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas? Vaut mieux que tu saches pas. Hé, je suis un contribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Georgie Marcano paie des impôts. Évidemment. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en tôle pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? Oh, on était sur la côte de Quan Nai. On évacue les civils avant que les Viet rappliquent dans le coin. Bref, on les faisait embarquer sur le bateau hôpital. Une femme se pointe en tenant un bébé d'une main et un cochon on laisse de l'autre. On commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux. Aussi sec qu'elle balance le bébé à la baille. Le type pète un plomb, envoie un garde pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond? Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain de merde. Hé, hey, je t'avais prévenu. Je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à élever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup.
Les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds pour que tu te balades avec ton arme. J'ai laissé ça sous le siège. Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Allez, OK, chargement. Ces types-là, c'est pas des poètes, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout te vexe pas si je tue le mouvement. Là, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ce fric. Une réflexion sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord. C'est parti. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo? Mais où va ce putain de pays, je vous jure? Tu peux me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Combien vous avez en tout? 238 546 dollars et le plus gros en petite coupure. Madame Gale passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Elle confirmera la livraison. Merci beaucoup. Dépose le canoncier. Tu portes une arme? Je suis toujours en formation. Tant mieux. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. L'incinérateur est au sous-sol. Par ici. Je vous avais jamais vu avant. Je suis parti en Géorgie. Lui? Il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'un an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant deux services. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. Ah, c'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être embauché. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Va te faire foutre! Putain, vise-moi ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. On se demande à quoi ça rime. On y est. Pose ces sacs sur la table. J'avais jamais vu ça. Je pensais que ce serait plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain, il fait une de ces chaleurs ici? Avant, j'utilisais du charbon, mais on est passé au fuel il y a à peu près un an. Ça maintient mieux la flamme. Un type s'est pointé pour essayer de me faire passer au fuel. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Moi non plus. Jusqu'à ce que je vois ça. Au moins avec le fuel, on n'a pas de suie partout. Avant, il nous aurait fallu des nègres avec un tuyau pour nettoyer toute la merde sur les murs. Ok,
Quel abruti, celui-là. Il faut qu'on bouge. Danny et Elise devraient plus tarder. Laisse-moi une seconde. Bon, tu t'occupes des gardes. Essaie de te faire discret. Faut éviter qu'ils nous tombent dessus. Je sais ce que je fais. Rappelle cette maison qu'on a louée? J'ai appelé hier soir en disant que je comptais vendre et qu'il devait libérer les lieux sous 2 semaines. Et le gars, John, commence à m'agresser et me dire que sur le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande comment il peut trouver un nouveau logement en 2 semaines. Et du coup, je lui réponds que j'en ai rien à parler. C'est ma propriété et que j'en dispose comme je veux. Et j'ajoute que s'il me parle encore de ce putain de bail, je me torcherai avec et je lui ferai bouffer. Je vais à couvert. Faut qu'on ouvre ce coffre. Bon, j'espère que Scalita nous a filé le bon code. Ok, c'est bon. À toi de jouer, Godzilla. Putain de merde. C'est magnifique. Je m'occupe de cette pièce. Prends ce que tu peux dehors. Une fois que les gars auront percé le trou, on balancera tout ça en bas. Déclencher cette alarme? Putain, je savais pas que cette cage avait son propre système. Ok. On va retenir les gardes jusqu'à ce que Danny finisse le trou. Eh, c'est pas encore perdu. Nom de Dieu, c'est un putain de braquage! C'est l'or! C'est en... On va se les faire, ces enculés. Maman! Maman! Oh putain! On a bien tapé dans la fourmilière. Donne-moi ça. Quand il va entendre parler de ça, mon vieux va l'avoir en travers. Tu vois, c'était pas si difficile. Thank you.
Envoyez-leur les fumigènes. Putain, mec, ils rigolent pas, ces cons. J'ai vu pire au Vietnam. Un peu de fumée, ça fait de mal à personne. Reste près du coffre et surveille la fourreuse. Je m'occupe de ces connards. Samy avait des hommes à lui un peu partout. L'un d'eux, qui travaillait dans un pressing, a volé les uniformes que Georgie Marcano et Lincoln Clay portaient le jour du cambriolage. Un autre était agent d'entretien à la réserve fédérale. Et c'est lui qui a fourni les plans. Le cambriolage de la réserve fédérale a été minutieusement préparé. Rien n'aurait été possible sans l'implication de Samy Robinson, de Lincoln Clay et du reste de la mafia noire. Tu reviens du Vietnam ? Ouais, c'est ça. J'ai été marine, dans le Pacifique. Et crois-moi, la guerre, c'est pas en rentrant chez toi que t'en reviens. Comprends ? Les gens ici, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. Mais fais gaffe et évite les emmerdes. Désolé pour le retard. Il y avait des bouchons sur le pont. T'en fais pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Je cherche mon demi-frère Lincoln Clay, vous l'avez pas vu par hasard? Vous savez, c'est le genre à s'énerver dès qu'on a une minute de retard. Va chier. Ah, le voilà. C'était comment, le voyage? Eh ben, c'était la première fois en 4 ans que personne me disait où je devais aller, ni ce que je devais faire, ni comment je devais le faire. C'était le putain de pied. Quoi de neuf avec le vieux? Ah, me parle même pas du daron. Putain, il est complètement à côté de la plaque. Ouais, comme d'hab, quoi. Merde, mon frère, t'as même pas idée. Putain, Ellis, elle est impeccable. Exactement comme je l'ai laissé. Même moi, je sais qu'il faut pas déconner avec ta caisse. Bon, allez. On rentre à la maison. Alors comment va Samy? Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour nous dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et si le train dure tard, et s'il le rappelle. Ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine, et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Ne lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman... Merde. Tu sais comment il peut être. Tu te rappelles Marty et Ron Langford? Ouais. Ils ont déménagé à Empire Bay un an après ton départ. Et ils ont commencé à fourguer de l'herbe. Ils m'appellent pour me demander si je veux quoi que ce soit. Je dis ok, moi l'argent facile, je suis pour. Bref, il y a un mois, Marty me dit qu'il passe à l'héroïne et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier. J'imagine que ça, ça n'a pas dû plaire à Samy. Je lui avais jamais dit pour l'herbe. Ça regardait personne. Mais ça, il fallait que je lui en parle. J'avais pas dit 3 mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux. À dire qu'on n'avait pas besoin que J. Edgar nous casse les couilles. Et quel abruti j'étais, et que c'est honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de cam aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Je connaissais 2-3 types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas.
et on les a retrouvés la gorge tranchée. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai parlé à Georgie. Ça m'étonnerait que ça allait marcher là-dedans. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à Del Rey ni à Frisco. On se limite au quartier français. L'oncle loup de Georgie dira que dalle tant qu'il bouffera au râtelier. Ça me plaît pas. Georgie est peut-être un type très cool, mais l'héroïne, c'est sérieux de chez sérieux. Il devient notre associé. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour partager en trois. Je sais pas. J'ai besoin de rester un peu dans mon coin histoire de réfléchir. Ouais. D'accord. Une fois que tu seras posé, je me disais qu'on pourrait aller dans ce nouveau club du quartier français. Tête à quatre. Avec qui tu veux que j'y aille? Avec ta grand-tante Béatrice? Oh la vache! Tu sais que je l'ai vue par hasard torse nu un jour? Oh. Cette femme a les nichons les plus terribles que j'ai jamais vus. On aurait dit deux vieux sacs de patates vides. Ouais, par hasard, bien sûr. Va te faire foutre, mec. J'ai eu de la chance de m'en tirer. Bref, t'iras avec Réjeanne. Réjeanne? Tu peux me croire. Quand tu la verras, t'auras envie d'y plonger. Ah ouais? La moitié des mecs de Del Rey lui tournent autour pour sortir avec elle. Elle les repousse tous. Elle n'a Dieu que pour toi, Lincoln Clay. Enculé. Attends de la voir. Un seul regard et Popol va s'agiter dans ton froc. Allez, on va entrer par devant. Avec un héros comme toi, je vais pas passer. Comment ça va? Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare. Salut, comment va? Eh, bonjour. Quoi? Je t'ai demandé de ramener Lincoln Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours, le vieux. Au moins, là où j'étais, il savait cuisiner. Bienvenue à la maison, fils. Comment tu vas? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde. La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée, j'étais contre. Trop dangereux, j'ai dit. Laisse ces gens mener leur propre guerre, je disais. Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis fier de toi. Pour Lincoln. Bienvenue à la maison. Pour Lincoln. Bienvenue à la maison. Hey. Ah, content de te voir, Lincoln. Je t'ai gardé dans mes prières. C'est gentil, merci beaucoup, mon père. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge? C'est difficile d'expliquer ce que ça fait, de revenir de la guerre. Euphorie. Peur. Culpabilité. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. Et puis, un jour, une porte s'ouvre et vous pouvez partir.
comme ça. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait la paix avec vos terreurs, avec la mort. Et une part de vous a peur de les abandonner. Mais est-ce qu'on a le choix? Tout soldat doit franchir cette porte, d'une manière ou d'une autre. Putain, Swisky va faire mal à la tête demain. Eh, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave. La cave? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave? Allez, bonne nuit, petit con. Putain, mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau.